Le Nigeria a connu des décès choquants de ses superstars. Alors, dans la suite de notre vidéo, nous allons vous présenter ces acteurs qui sont morts de manière tragique. Mais surtout, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Oriza Bomni, l'actrice Yoruba, Folake Aremo, connue sous le nom d'Oriza Bomni, est décédée le 5 janvier 2021. Elle est morte à l'âge de 60 ans, 4 mois après la mort de son ex-mari, Jimo Aliu, plus connu sous le nom d'Aoro. Elle serait décédée des suites d'une courte maladie. David Mela. David Mela est un acteur de Nollywood en pleine ascension avant que la mort n'écourte sa vie le 11 janvier 2021. Selon Idoma Voice, l'acteur talentueux souffrait d'une maladie non déclarée et il avait déjà fait une pause dans les médias sociaux pendant des semaines. Cette triste nouvelle a plongé le peuple nigérian et ses fans en particulier dans une grande consternation ce vendredi 15 janvier 2021. Notons qu'en plus de son statut d'acteur de film nigérian, David Mela était également PDG de la production d'Emels et le directeur créatif de Demels Couture au Nigeria. Nos sincères condoléances à la famille éplorée et à tout le staff de Nollywood. Dan Koloagou. L'acteur de Nollywood, Dan Koloagou, qui joue principalement le rôle d'un médecin indigène dans le film, est décédé le 22 janvier 2021. Son fils Dan Koloagou Jr. l'a annoncé sur Facebook en partageant une photo de l'acteur vétéran sur son lit d'hôpital. Le fils André a écrit, je cite, « C'était un vendredi noir pour nous, hier, alors que mon père nous a quittés sans nous dire au revoir. Que son âme repose paisiblement. » Ernest Azuzu. Après avoir guéri de l'AVC par un prophète guérisseur, le célèbre acteur de Nollywood, Ernest Azuzu, aurait perdu l'espoir en devenant un mendiant au bord de la route. C'est vraiment déplorable. Le célèbre acteur a été aperçu torse nu le dimanche 26 janvier 2020, portant un pantalon qui a eu des beaux jours apparemment et des tapettes de douche dans un populaire supermarché en train de commander de l'argent aux gens afin de se nourrir. Connu par son dynamisme et son interprétation des rôles de films Nollywood, Ernest Azuzu a été filmé torse nu dans une vidéo publiée par un passant et un fan. Identifié comme Bolingo 2014 alors qu'il confirmait les détails en larmes, Bolingo a critiqué Nollywood en disant que l'industrie est une énorme honte car il a été choqué de voir le vétéran acteur dans un état aussi émacié sans l'aide de ses collègues de l'industrie du divertissement, ce qui l'a incité à publier la vidéo sur les réseaux sociaux. Alors les amis, c'était tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager la vidéo à vos proches pour une communauté encore plus grande. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin.